Wiki Wiki Bang! Et oui, The Big Game of Ski, le revient d'ultime du séquel avec le dernier affront outrageux. Et on va repartir dans les limbes du temps et de l'histoire du jeu vidéo. À cette période où 4 pixels vous procuraient de grosses érections. Et oui, on est avant les années 80, puisqu'exactement, on va se retrouver dans les années 79 pour une superstar du jeu vidéo. Et quand je vous dis superstar, c'est pas. Vas-y, tu arrêtes pas d'enjoliver les choses pour faire passer la pilule et que ce soit classe. Eh. Hein? Alors? C'est qui le boss? C'est qui le boss? Vas-y. Un Galaga, un vrai Galaga. Alors, pour l'anecdote, il faut savoir que Galaga, en fait, par rapport à Space Invader et consorts qui étaient sortis avant et qui avaient retourné la planète, y compris complètement vidé les stocks de pièces de monnaie au Japon, la grosse news Galaga, c'est surtout le passage en couleur et puis maintenant des animations complètement évoluées de ces aliens qui ne restent pas statiquement au haut de l'écran. Et attendre leur tour pour descendre parce qu'il a le voisin, il faut attendre qu'il bouge, qu'il attend que le voisin qui. Enfin, vous comprenez. Et donc, on se retrouve quand même avec un fucking jeu qui est indétrônable. C'est. Oui, on vous parle d'un shmup, on vous fait forcément voir des icônes en forme de split de Galaga, quoi. C'est génial. Ah, je m'excite, je m'excite, je prends tout de suite deux pilules pour le cœur et on y va. J'ai oublié d'enlever la zic. Jean-Michel Bruitage! J'ai oublié d'enlever la zic. C'est absolument catastrophique. Non mais non mais non mais non mais non. Je vais me laisser mourir, c'est pas possible. Je ne peux pas dénaturer le son profond, pur et nature du 8 bits. C'est hors de question. C'est un peu comme si on vous faisait voir du Roquefort qui a été congelé. Retournons-y. Même pas peur. Vous la sentez, la profondeur des 8 bits? Aïe, 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 aïe. Non, mais regarde-moi ça. Non, mais regarde-moi ça. Alors, du côté un petit peu plus gamer, la petite astuce qui fallait piger, en fait, quand on jouait à Galaga, c'était que, bah, sorti des patterns et des directions que les Lascars prennent, fallait bien avoir en tête que votre tir, vous n'en aviez pas de nouveau tant que votre tir n'avait pas atteint soit une petite victime volante, soit était complètement sorti de l'écran. Une fois que vous avez pigé ça, bah, vous savez à peu près gérer votre espace, shooter des lascars au vol, qui est peut-être risqué, mais avec un bon timing, se fait relativement tranquille. Et là, vous pouviez commencer à vous dire, ouais, moi je vais commencer à scorer sur cette amener Borne parce que je suis pas là pour écouter de la musique de Pacifique. Eh oui, on est tous des teignes, on est là pour exterminer, je vous rappelle, on est dans des shmups. Si on devait faire des câlinots à répétition, ça se saurait. Donc voilà. Ça peut pas vieillir, ça. C'est pas possible. Et les fins de niveau qui s'éternisent et qui durent encore et encore, comme dirait un certain musicien à guitare sèche. Et c'est que le début, d'abord, d'abord. Et oui, et oui, et oui! Et soudain, le drame. Vous entendez le stress de la musique 8 bits derrière? C'est pour ça que je voulais pas qu'il y ait un autre son, c'est. Ça fait partie du jeu. Alors, l'autre truc bien pour eux, pour vous forcer un peu la main, remettre des pièces, comme vous avez pu l'observer, c'est que votre vaisseau est un veau marin de l'espace. Et que niveau déplacement, on n'est pas dans ce qu'on appellerait du fair play, quoi. Parce que eux, ils se marrent, vous avez vu la vitesse? Ils sont là, ils font. Ah, on va enfin atteindre le moment où la borne ne fait plus que. Ah, ça, c'est. Mais ça, mais c'est. Il faut avoir vécu ça sur une vraie borne. Je vous le dis, mes enfants. Ah non, mais je le fais durer, c'est trop bien. Non! Ça s'appelle un silence respectueux. Eh oui, on y retourne donc. Et là, c'est complètement différent puisque, eh bien, on a les mêmes vaisseaux qui font les mêmes patterns. Mais
Horreur, au désespoir, au vieillesse ennemie, au rage, au pixel maudit. Ils vont plus vite. Alors déjà que j'avais un veau marin et que je commençais à faire moins, là je pense que je vais faire moins bis. Ouh. Tu me parles un peu gourmand, jeune padawan. Donc on voit bien qu'on a ici l'ancêtre du Danmaku, hein. Non, je rigole. Mais bon, c'est... Enfin, un début à tout. Vous avez vu l'évolution qu'on a fait avec tous les shmups qu'on a streamés. Ça a vachement bougé. Il y a eu des petites merveilles de trouvailles. Là, on n'avait pas encore inventé les boss de fin de niveau. On avait d'ailleurs inventé plutôt les fins de niveau qui s'éternisent. Donc, mis dans le contexte, c'est vrai que aujourd'hui, c'est un peu difficile de retranscrire l'euphorie qu'il y avait eu sur ce titre. Oui, parce que c'était de l'euphorie. Sans mayonnaise. Et oui. Merde, c'est chiant les fins de niveau. Bon, enfin voilà, je vais pas insister plus longtemps, puisque une fois passé ce deuxième stage, nous aurons le stage bonus où les bestioles arrivent dans un ordre différent. Et si on les shoot toutes, on a un super bonus et tout. Et après, ça repart. Et comme par hasard, c'est plus rapide. Bravo, bravo, il y en a trois qui suivent. Voilà pour ce monument du jeu vidéo. Je le relance rien que pour avoir le bouton, l'écran d'accueil, parce que c'est trop la classe. Je vais remettre la zik, tiens, au passage, hein. Vu qu'on n'est pas pingre, on a des gros moyens en ce moment. Et j'ai bien l'intention d'en profiter à donf. Y compris de mes plantages mains. On se quitte sur ça, je vous rappelle que si vous appréciez la chaîne, c'est pas interdit de le faire remarquer en mettant un petit pouce. Si vous l'appréciez vraiment et que vous devenez accro, vous sentez s'il y a un début d'addiction, appuyez carrément sur le bouton abonnement, comme ça, ça vous fournira automatiquement les news dès qu'il y a quelque chose de nouveau de posté. Si vous adorez à genoux la chaîne, je vous rappelle, envoyez vos chèques, vos cartes bleues, vous pouvez faire des virements directement sur le compte si nécessaire. Et on se retrouve avec plein de bisous. Pour des nouveaux shmups et surtout, je l'espère, un vrai nouveau jeu récent parce que ça fait un petit moment que j'ai pas streamé et je suis comme vous, je vis cette période actuelle où tout le monde est riche sauf 99% de la population. Et voilà, j'ai bien résumé, je pense. Des gros bisous, essayez les shmups, qu'ils soient vieux ou récents, fiez-vous au stream, vous avez des bons indices pour vous taper des voyages dans le temps assez excellents. A tout bientôt sur The Big Gamowski. Ciao.